das üben wir nochmal. Aber wir haben ja noch Zeit. Fans, ich bleibe. Au début, c'était pas facile. J'ai eu aussi une blessure qui m'a éloigné des terrains pendant deux mois et demi. J'ai eu aussi besoin d'un temps d'adaptation parce que la culture, elle est différente. La culture allemande, elle est différente avec la culture française. Et après, je me suis battu et voilà. À l'heure d'aujourd'hui, on joue, il y a les résultats. Je suis content. Déjà pour l'adaptation, Peter, il m'a beaucoup aidé en nous traduisant aussi tout en français, aussi en nous aidant sur la culture allemande. Après, j'ai ma femme quand j'étais pas à l'entraînement ou j'étais pas au stade ici. Ma femme, elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup soutenu. Et en général aussi notre petit groupe de français avec, à l'époque, il y avait Tanguy et Aurel. Ils m'ont beaucoup aidé. Et voilà. Déjà, on avait à cœur et on avait l'envie de rester en Bundesliga parce que déjà, pour moi, j'estime que Stuttgart doit toujours, c'est un club qui doit toujours jouer en Bundesliga. Donc, on avait très mal joué tout au long de la saison, donc on se devait contre Hambourg de faire deux gros matchs pour pouvoir rester en Bundesliga. Et après, une fois qu'on s'est maintenu, c'est vrai que pendant une semaine, on y pense encore et après, on se dit bon. Faut pas que la saison d'après, on recommence pareil à jouer le maintien ou encore à faire les deux matchs de relégation en fin de saison. Mais après, on essaie depuis y penser et de passer à autre chose. Ouais, c'était incroyable. Après, on s'était quand même facilité le match ici à domicile à Stuttgart. Mais l'ambiance à Hambourg, je connaissais pas, c'était un grand stade. Les supporters aussi, on les sent, on sent leur présence dans le stade. Donc gagner en plus chez eux et se maintenir en Bundesliga, c'était franchement, ça reste un très 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 bon souvenir. Je pense que c'est sûr, je suis très content de pouvoir représenter mon pays. Mais le plus important pour représenter son pays, c'est d'être performant avec son club et avoir en priorité les résultats dans son club et être performant surtout et être très bon sur le terrain dans son club. Après, comme je dis, l'équipe de France, c'est un plus. Si j'arrive à y aller, je suis super content et ça reste vraiment, vraiment un objectif encore plus avec les Jeux Olympiques qui arrivent cet été. Moi, je trouve que cette année, on a un bon groupe avec beaucoup de qualité sur le terrain, aussi avec beaucoup de caractère, c'est important aussi le caractère. Après, je pense qu'on a vécu deux dernières saisons très difficiles et je pense que personne n'a rien lâché. On a tous beaucoup travaillé aussi pour pouvoir avoir des résultats. Et à l'heure d'aujourd'hui, on peut le voir que la roue, elle a tourné et qu'aujourd'hui, ça va dans notre sens, mais on a beaucoup travaillé pour en être là aujourd'hui. Je pense qu'on joue tous pour le collectif aussi et tous pour le club. Donc pour les couleurs et pour les couleurs du club, avec beaucoup de caractère comme j'ai dit avant et avec beaucoup d'envie. Et je pense qu'aussi on ne voulait pas revivre la situation qu'on a vécue les deux dernières saisons. Donc forcément, si on se donne tous à 200% sur le terrain, voilà, on peut voir qu'il y a les résultats qui suivent. Quand on voit, on inspire aussi à donner le bon exemple aux jeunes, que ce soit sur le terrain ou que ce soit en dehors, c'est sûr que s'ils reprennent la célébration, forcément, on est content. Déjà, j'aime bien l'atmosphère qu'il y a ici au club, les fans aussi, le stade. Le fait de jouer dans le stade, dans le MHP, il y a une atmosphère et une ambiance qui est particulière ici à Stuttgart. Déjà pour ça, les fans sont incroyables ici. Après, là aussi, cette année, on a des très très bons résultats, on a une bonne équipe, on a un bon coach, donc on va dire tous les feux sont verts.
Hallo, liebe VfB-Fan, wie geht euch, bleibe hier, euer Enzo Mio.